Bienvenue en dernière revue de mon hall d'anniversaire. Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Culture 95. Aujourd'hui, nous allons faire un revue sur les deux voitures les plus nulles de mon hall. Sterling en version Thaïlande et Tom W, qui est un stagiaire du centre d'entraînement Rosties. Pour Sterling, j'ai sa version chinoise, nous allons la comparer, je l'ai acheté en 2017. Et pour Tom W, j'ai déjà Shriram que j'ai fait en revue dans les 24 heures de Noël. Donc c'est bien que j'en ai un deuxième, j'ai envie d'en acheter plus, même s'ils sont éclatax au Solax, parce que c'est juste voiture de nouvelle génération en gris, du bleu, du rouge, du gris, du marron, du doré, basta. Donc voilà. Donc nous allons commencer avec l'emballage de Tom W. Il a une magnifique image, il est en train de regarder sur le haut en mode beau gosse. Le logo Cars, le logo métal. Voilà. Tom W. Il est inspiré de Cars 3. Tom W, son image de prototype. En plus, c'était le tout premier stagiaire du centre d'entraînement Rosties sorti en 2018. Mais ça, c'est une réédition en 2021. J'ai presque dit 2018 et 2019. Mais non, lui, c'était tout le premier. Le tout premier. Donc voilà. Moi, en vrai, mon préféré, ça reste de tous les stagiaires, ça reste peut-être Shriram, j'adore le rose qui est là. Et juste, j'adore le rose, c'est vraiment pas une couleur nulle. Vraiment, j'aime le rose. S'il y a des couleurs que j'aime pas, c'est le vert. Ça, je déteste le vert. Mais pourquoi je suis en train de raconter ma vie? J'en ai aucune idée. Voilà Sterling, son image. Metal, Cars. Le voilà. Il est un peu plus métallisé. Il y a un petit peu du plastique qui est cassé, je sais pas pourquoi. Sterling, moi, ah, le nouveau logo de merde. Je l'ai déchiré dans la revue de Derek Williams et Sarah Wilson. En tout cas, le gars, je serai de retour avec ces deux voitures ouvertes. Tom W et Sterling sortis de l'emballage, ils ont tous les deux l'air mieux que en emballage. Voilà Sterling, on va commencer avec Tom W. Voilà où il apparaît dans Cars 3. Je ne suis vraiment pas sûr si c'est lui, mais il n'y a que lui qui ressemble à Tom W. Mais donc, on va dire que c'est lui. On va allumer le flash. Bon, voilà. Ils sont tous les deux de Thaïlande. Voilà. Ils ont des expressions différentes. Lui, il a une expression plus. On peut dire embarrassé, lui il est en mode est-ce que j'ai réussi mon contrôle, est-ce que je vais avoir 10 sur 10. Voilà. Il a des phares en bleu, ces trucs d'aération, son pare-choc, non, ça c'est son pare-choc, ça c'est je ne sais pas quoi, son pare-choc de devant il est en bleu, on va dire ça. C'est le numéro 61, il a un truc en bleu, ses pneus en bleu, son pot d'échappement. Non, ça c'est le pot. Il peut se remplir en essence. On va l'appeler comme ça. Il est en bleu. Là, on est en bleu. Voilà. 61. Ses phares arrière. De l'autre côté. Le châssis. Le haut. Il a des fenêtres en métal. Ah, je croyais que c'était juste les voitures de nouvelle génération. Mais ça, c'est une voiture de nouvelle génération. Mais je croyais que c'était juste les voitures de nouvelle génération qui sont dans la Piston Cup. Qui sont déjà sponsorisées. Oh, ok, parce que là c'était en plastique. Écoutez, voilà. Et voici le châssis. Ensuite, nous passons à Sterling. Nous allons comparer. Donc voilà déjà une apparence. Donc c'est le millionnaire qui achète. C'est un million. Ouais. Ouais, il est million. Il est riche en tout cas. Il a acheté Rusty et Dusty. Et donc il a acheté Rusty de Rusty et Dusty. Et après c'est devenu le second antagoniste de Cars 3, on peut dire. Second, ça se dit, on peut dire, parce que le grand antagoniste de Cars 3 c'est Jackson Storm. Mais lui c'est un second antagoniste, je sais pas. En tout cas c'est pas un mec cool, tu vois. Voilà. Voilà son expression, ils ont tous les deux la même expression. Ici c'est un peu effacé sur le mien, ici c'est tout nouveau. Non, ça fait du bien en plus de revoir Sterling dans les magasins, parce que ça fait depuis quoi, 2018 que je l'ai plus revu. Peut-être 2019, ouais, je sais pas. De côté. Voilà.
l'eau. Il a une peinture plus réflexive. Il y a plus du reflet. Ici, c'est juste un peu. Il y a un petit peu de vernis, mais ici, il y a du vernis. Et en plus, regardez la lumière, comment ça frappe dessus. Voilà. Ces pneus, les miens, ils sont un petit peu tordus. Voilà. Il est usagé parce que je l'ai eu en 2017. Et comme en 2017, j'étais encore un gros bébé, je jouais encore avec. Voilà. Pas un gros bébé parce que j'avais quoi? J'avais 10 ans? Non, même pas, j'avais 8 ans, je crois, frère. J'avais 8 ans. Parce que là, j'ai 13 ans, donc oui, j'avais 8 ans, frère. Les gars, merci d'avoir suivi vos canaux, je voulais que vous abonniez. Et merci d'avoir regardé tout mon haul d'anniversaire. C'était une série de vidéos très très longue. Ça a duré 2 mois, janvier et février. Donc voilà. Merci d'avoir suivi vos canaux, je voulais que vous abonniez. Et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Quality 15. Salut tout le monde.